cette bague qui représente les signes de tout l'amour que j'ai pour toi. Et je te le fais porter avec fierté et honneur, car je sais quelle femme tu es pour moi. Tu es ma moitié. Je t'aime, Lydie.
Ce sont les parts dont
venir et nous ressuscitons à nouveauté de vie. Amen. Et c'est ainsi que cet homme de Dieu a dit, ce que vous faites en acte ou en parole et ce que nous ferons ce soir, nous le faisons au nom du Seigneur. Avec les difficultés de la vie, mais la victoire est certaine. Amen. Ici, mon frère, le fils que vous aurez, ils en ont eu 5. Ton papa a ta famille 14. Bien, le livret de famille français, note là-dedans 15. Je ne sais pas ici en Grèce, 15. Mais dès que tu as 3, oh non, il a une grande famille. Vous avez le droit, tant que vous avez, hein, attention, il n'est pas le seul à remplir la terre. Mais nous voulons d'abord avoir un premier et un deuxième. Même le nom Jean, ça ne sera plus Titana, ça sera Okoua. Nous dirons Madame Okoua, Madame Iyanza. Que Dieu soit nous. Amen. Que Dieu soit nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors tout cela, ma soeur, c'est si ce conseil est suivi. Je lis ça pour terminer. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 22. Éphésiens 5, 22, lisons, il est dit là-dedans, verset 22, femme, même la foi du calvaire n'a pas changé ça, parce que ça c'est l'apôtre Paul qui le prêche. Les prédicateurs veulent tout moderniser. C'est ainsi que nous avons des conflits, des problèmes dans des couples, parce que la parole de Dieu est mise. Quand la parole de Dieu est suivie, il y a le succès et la victoire totale. Amen. Bien-aimé dans cette parole, comme Christ a aimé l'Église, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Ce n'est pas vraiment ça. Même la plus grande colère de la cuisine ne doit pas enlever l'intimité de la chambre. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Ça ne doit pas enlever ça. Ça ne doit pas amener le djinn dans la chambre. Non, il faut toujours le sérieux dire, chéri. Les petits conflits, c'était dans la cuisine. Ici, c'est la fête. Dans le mélange, vous avez des vertus sacrées, la maternité sacrée, la féminité sacrée et la virginité sacrée. Tout chez vous est sacré. Tout ça pour ton homme. Chaque femme a un homme. Il faut simplement qu'un jour elle retrouve la faille duquel, de laquelle elle est sortie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous leur demandons de s'élever parce que maintenant c'est la bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que ce conseil n'équipe point vos cœurs. Patrice, Chitala Kalula, puisse nous répondre ici à cet endroit. Mon frère Patrice, c'est toi le papa des études. Et est-ce que tu as accepté que... J'ai accepté qu'il le taille, qu'il soit pris en mariage par Hubert Okoua. Qu'il avait demandé un mariage et dont la famille avait quitté Brazzaville pour venir donner tout ce qui était demandé comme dot mais sans rester avec aucune dette. Yes. C'est ce que nous voulions entendre. Donc Lydie aujourd'hui peut dire aux autres sœurs: mon mari est capable. Quelle capacité. Il n'y a pas de dette. Alors, bien aimé, ce que tu vas faire, c'est un geste pour le témoignage. Tu prends cette main-là, tu donnes à notre bien-aimé.
Bien, mon cher Kalula. C'est merveilleux de marier sa fille. Amen. Non, je donne ma fille en mariage au frère Divin Okoua. Amen. Représentant de la famille, pourquoi vous acceptez une fille de plus parmi les 14 qui ont précédé, qui sont là de la famille de notre bien-aimé divin, pourquoi? Là, nous voulons maintenant votre réponse. Vous acceptez comme un don des dieux, Lydie. Nous acceptons avec une immense joie. Merci beaucoup, Ruffin. C'est complet. C'est tout. C'est tout ce qu'on t'autorise pour Messe. Bon, je suis pas habitué à faire des discours. Hein. Mais comme c'est un jour spécial, on va chercher aussi des mots spéciaux pour les événements. Alors, tu sais, je voudrais juste te parler d'une date qui est le 14 janvier 2020, aux environs de 8h du matin. C'est la première fois. Je ne t'avais jamais connu. Et quand je t'avais vu à ces jours de l'autre côté de la rue, je ne sais pas si je te souviens, quelque chose a parlé en moi. Et beaucoup de choses se sont passées. Donc là, on a bien changé. Et franchement, aujourd'hui, je peux comprendre l'émotion qu'Adam avait eu le jour-là. On t'a pas blé. C'était entre en extase jusqu'à dire voici cette fois-ci. Allez, yes. L'os de mes os, la chair de ma chair. Et je peux te confirmer que chaque mot qui me porte exprime ce même mot. Wow. Alors je vais te présenter ce petit morceau de. Ah, je ne sais pas pourquoi, ils ont donné les noms de balle. C'est juste un symbole que je voudrais te remettre aujourd'hui. Et sur ce symbole, je voudrais te parler d'un langage qui est parlé dans ma langue, à l'ordre de mon père. En passant, je vais faire un peu les langues. Il est dit, j'en parle pas bien. Je pense qu'il y a certains syllabes par rapport avec moi. Il est dit, il n'y a aussi les femmes là, nous sommes. Traduction. Science avec un quand tu vois un oiseau avec une bague à sa patte, cet oiseau appartient à quelqu'un. Si, si. Comme ça, c'est la première fois que j'entends. Je t'aime. Il y en a dans ton cœur. Je vais dire ce qui vient de moi et de mon cœur. Dieu exauce ma prière. Alors Dieu exauce ma prière parce que je le disais toujours. Alors, il y a plusieurs étapes avant le mariage. Donc, il faudrait étudier, tu finis des études, tu deviens indépendant, tu deviens épanouie. Après, tu rencontres quelqu'un. C'était ça ma prière. Et au bon moment, et quand j'ai demandé à Dieu de me donner quelqu'un par hasard, Dieu a permis que j'entende divin. Donc, c'était.
par la grâce divine que j'ai entendu. Alors pour moi, c'est la réponse à ma prière et ça, ça dit beaucoup. Alors, déjà, le fait que je rencontre quelqu'un pendant toutes ces années qu'on a passé ensemble, même de loin, tu m'as facilité à accompagner dans mes projets et tu m'accompagnes toujours dans mes projets, ça me touche beaucoup. Et le Seigneur, notre Dieu, qui a permis qu'on se rencontre, nous aidera à arriver jusqu'à la fin. Amen. Dans notre marche. Et il nous donnera beaucoup d'enfants. Oui, c'est ça. Amen. Beaucoup de jumeaux. Beaucoup de jumeaux, non. Nous avons passé de très bons moments. Et je prie toujours que le Seigneur bénisse notre couple. Spirituellement, matériellement, physiquement, et bien sûr financièrement, et pour que nous soyons une bénédiction aussi pour l'Église, pour le Christ et pour tout le monde. Amen. Alors, je t'aime beaucoup, j'aime la personne que tu es, j'aime cette même personne, et je sais qu'avec Dieu, nous serons bénis. Amen. J'attends encore. Divin, lève les yeux. Regardez, aucune main, même la mienne, est baissée. Qui est d'accord pour ce mariage? Dieu bien-aimé, c'est avec une grande joie et aussi avec une grande émotion de voir que nous grandissons. J'ai vu naître cette fille. Je l'ai vu grandir aujourd'hui. Je te remercie pour mon ami, mon frère, un ami de longue date, Seigneur, et notre sœur, notre fille, entre les mains d'un enfant de Dieu, notre frère divin. Que tu les bénisses richement. En tant que ton serviteur, en tant qu'un frère, je te prie, je te le demande du fond de mon cœur, que tu ajoutes beaucoup de bénédictions dans leur maison. Que tu leur donnes ce que leur cœur désire et que tu les assistes tout au long de leur vie jusqu'à ce que tu reviennes. Que la gloire te revienne en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Tant présenter des enfants ici pour cette soirée, tu as entendu Lydie parler avec son cœur. Elle n'avait rien préparé, mais son cœur était débordant des paroles précieuses. Seigneur, tu as entendu Divin, qui n'est pas un discoureur. Et nous croyons que ce soir, toi, l'hôte invisible présent, tu as la bénédiction à prononcer sur ce couple. Que notre sœur Lydie et Divin soient bénis. Amen. Que leur maison soit bénie. Amen. Nous brisons chaque plan tordu de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ce couple soit gardé, protégé pour le temps et pour l'éternité. Que leur maison régorge de mots. Qu'ils aient beaucoup d'enfants. Amen. Pour la gloire de ton nom. Amen. Nous voudrions les voir tous les deux. Ô Dieu tout-puissant, grandir. Vivre ensemble. Vivre heureux. Toujours dans la parole. Attendant ton glorieux retour. Seigneur, que tu les bénisses d'une manière spéciale. Que notre Lydie soit bénie auprès de son mari. Que notre divin soit béni auprès de sa femme. Que les deux familles soient bénies. Qu'ils soient en harmonie, en concert. Par acquis les croyants crient jour et nuit. Et nous souhaitons que dans la maison de notre frère et notre sœur, qu'il y ait toujours de cris de joie. Amen. Chaque fois qu'ils crieront, Seigneur, écoute du haut des cieux. Car nous croyons que ce qu'ils demanderont, ils le feront au nom puissant et merveilleux. Et notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que tout le peuple dise Amen. Amen. Lydie, j'ai
Itala, divin Okoua. Aujourd'hui, dans cette ville d'Athènes, devant vos parents respectifs, il y a Ruffin, il y a papa, il y a papa Ruffin, il y a papa Kalula Chitala, Fabrice, le rédempteur vivant. Je vous déclare mari et femme. Thank you.
to do. All I want to do. Feeling in my hands too.